Salut tout le monde, moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle. Aujourd'hui, une vidéo exceptionnelle, toujours en Suisse avec The Barn. Comme promis dans la précédente vidéo, je vais vous montrer aujourd'hui ma muscle car rêvée, la Plymouth Roadrunner 1970. Allez, c'est parti tout de suite sur French Muscle. Un petit tour de cette Roadrunner pour commencer dans cette couleur vitamine C orange avec la calandre avant et les fameux 4 phares. Voilà le logo Plymouth, vous voyez aussi les hood pins et la bande sur le capot. On aperçoit aussi le air grabber et le bip bip sur les ailes, le logo que vous retrouverez à plusieurs endroits dans la voiture. Allez, on continue sur le côté avec ce profil qui ressemble un peu au chargeur, le logo Roadrunner et la petite prise d'air là sur le côté. Voilà, et vous remarquerez le B-Pillar, donc le montant, elle en est équipée celle-ci, c'était le cas sur certains modèles, pour améliorer la rigidité, la face arrière, les feux allongés, la petite bande sur tout le long, avec le Roadrunner encore une fois. Voilà, appréciez le look de cette B-Body Mopar. Voilà, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est magnifique. On s'approche maintenant de la baie moteur avec le V8 383 cubic inch dans cette belle couleur orange lui aussi. Vous voyez le système air grabber là, les dessous. Et on continue le tour avec le fameux Coyote Duster là sur le filtre à air. Pas d'assistance de freinage ici. Et voilà ce 383. On passe à l'intérieur maintenant et on va directement au volant avec encore une fois le bip bip, le fameux pistol grip, ça vous allez voir, ça envoie. Voilà un intérieur plutôt sobre comme beaucoup chez Mopar ces années-là. On est en siège bien évidemment à l'avant. Voilà, beaucoup de noir, le petit logo bip bip un peu partout. Voilà un intérieur en très bon état hein. Et puis les tapis aussi avec le bip bip. On est parti au volant de la Roadrunner. C'est vachement impressionnant. Là en plus on a ouvert le air grabber devant. Alors avec le levier pistol grip là, je vous en reparlerai. Allez, première. Passe super bien, faut un peu assister sur le levier, c'est du brouette hein, mais c'est ça qui est bon dans cette voiture. Enfin, le levier est vraiment super ferme, moi j'adore. C'est peut-être ce qui me manque sur la Firebird, et c'est à peine assez ferme comme ça. Voilà, l'expérience de malade. Alors merci à Louis hein, qui me permet d'essayer cette voiture et merci au Barn. Vraiment un truc de malade aujourd'hui. Donc comme je disais, ouais, c'est la Roadrunner 70 ou 69. C'est vraiment mes muscle car de rêve. Honnêtement, si je pouvais un jour, ça serait exactement ce que je prendrais. Sûrement plus avec un 383 comme on a aujourd'hui. Enfin, et du coup, ce qui explique ce choix, entre guillemets, c'est pour moi ce qui représente le mieux la muscle car. C'est-à-dire que Plymouth, quand ils ont créé la Roadrunner, le but c'était de courir, d'aller vite sur le 400 mètres pour le moins cher possible. Donc à l'époque, pour moins de 3 000 $. Alors aujourd'hui, avec l'inflation, ça fait plus que ça, mais pour l'époque, c'était franchement correct pour le monstre que c'était. Donc pour atteindre ce prix, ils ont enlevé tout ce qui était superflu. Alors que là, une petite accélération encore. C'est ça que j'aime bien dans cette voiture, c'est que justement il n'y a aucun compromis, c'est du brut des décoffrages, il y a le moins d'options possible et c'est ça qui représente pour moi l'esprit.
seul car, un moteur, une caisse, et c'est parti. Petite pause dans la vidéo là, puisque donc rapidement pour vous expliquer, les vidéos que vous êtes en train de voir où on est avec le barn, on les a toutes filmées le même jour à l'espace de 4-5 heures, donc ça a été très rapide et j'ai pas eu le temps forcément de faire toutes les prises que j'aurais souhaité. Alors juste pour vous préciser et pour apporter plus de détails sur mon expérience avec la conduite de la Roadrunner, alors ça a été vraiment déjà un truc de fou, je pense que dans la vidéo vous pouvez le voir, mais j'ai même pas eu le temps trop de l'exprimer. En tout cas voilà, c'était vraiment une super expérience. Ça confirme que c'est vraiment la voiture que j'aimerais avoir, la conduite, le look, tout allait. Alors la boîte mécanique avec le pistol grip, c'est vraiment la folie. On a justement un grip qui est superbe, un feeling dans le levier qui est top. En plus, un levier, enfin vraiment un retour, une sensation qui est super. Alors il faut s'habituer un petit peu au début à la voiture. C'est vrai que les premières minutes, en plus, Louis m'a laissé partir avec la voiture tout seul. On est parti faire un petit cruising, donc j'étais tout seul dans la voiture. Et un petit peu de stress au début, on va dire, enfin en tout cas d'habitude à prendre. Surtout en boîte manuelle, avec une voiture aussi grosse que ça, hein, c'est le même gabarit que la Charger par exemple, avec 5,30 m de long je crois. Donc voilà, mais en tout cas, c'était top. Quoi dire après, c'est donc la Roadrunner avec peu d'options, mais juste ce qu'il faut, comme le air grabber, là j'en parle dans la vidéo. Ensuite, pour tout ce qui est freinage, accélération, tout ça, j'ai pas vraiment eu le temps de bien ressentir tout ça. Mais en tout cas, ça a été moi tout ce que je recherche dans une voiture, c'est-à-dire une belle sonorité, tout ce qu'il faut d'accélération, le 383, comme dans la Charger, Seb. Pour moi c'est juste ce qu'il faut, c'est à dire que plus ça serait un bonus, c'est sûr que ça serait bien, mais le 383 est vraiment bien équilibré, il fonctionne bien. Ensuite c'est pas une voiture qui tient hyper bien la route, c'est pas ce qu'on lui demande non plus, donc sur toutes ces lignes c'était vraiment top, et en tout cas je pense que si j'ai l'occasion un jour, je pense que je me laisserai tenter. Allez, on retourne à la fin de la vidéo, moi je vous dis à la prochaine. Quelle expérience au volant de cette superbe Plymouth Roadrunner 1970, un des essais les plus dingues que j'ai pu faire. Comme je disais, c'est une voiture que j'adorerais posséder, avec en plus le petit bip bip. Alors si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, à commenter, à vous abonner bien sûr à French Muscle si c'est pas déjà fait. Allez voir aussi la page The Barn, je mettrai les liens dans la description. Et allez voir les réseaux sociaux aussi de French Muscle. Allez, moi je vous dis à la prochaine sur French Muscle. Ciao.